Borgo San Sepolcro, une petite ville située aux confins de la Toscane et de l'Ombrie, non loin d'Arezzo. En 1304, le conseil de la commune décide d'élever un maître-autel dans l'église du couvent franciscain, en hommage à un moine qui vient de mourir, Ranieri Rasini. Ranieri est l'objet d'un culte populaire fervent. On lui prête plusieurs miracles. Un siècle plus tard, en 1426, les franciscains demandent à un menuisier, Bartolomeo di Giovanni d'Angelo, de construire un retable au-dessus de cet autel. Quatre ans après, les moines qui avaient pris livraison des panneaux de bois du retable envoient chercher à la ville voisine d'Anghiari le peintre Antonio di Giovanni et lui demandent de peindre l'une des faces. Le travail ne fut jamais exécuté. En 1437, les moines convoquent alors le plus réputé des peintres siennois, Stefano di Giovanni, qui, à partir du XVIIIe siècle, sera surnommé Sassetta. Il a peint pour la Corporation des artisans de la laine un grand polyptyque aujourd'hui dispersé. Et pour la cathédrale de Sienne, la Madone des Neiges. On connaît aussi d'autres tableaux de lui, parmi lesquels un Saint-Martin, deux fragments d'un même panneau sur l'adoration des mages. Un contrat est établi devant notaire. Le peintre s'engage à fabriquer un tableau sur bois, de même largeur et hauteur que celui qui se trouve déjà placé et enduit sur le maître-autel. Il s'engage aussi à le peindre sur l'un et l'autre côté, à le livrer dans un délai de 4 ans, et à venir lui-même le mettre en place. Il recevra pour ce travail 510 florins. C'est la somme la plus élevée jamais payée pour une œuvre peinte à cette époque. Sienne, commune libre depuis plusieurs siècles, est alors l'un des foyers artistiques les plus actifs d'Italie. Les franciscains de Borgo avaient sans doute en tête des précédents siennois fameux. La Maesta, peinte par Duccio pour le maître-autel du dôme de Sienne, 1311. Le polyptyque de Pietro Lorenzetti pour Santa Maria d'Arezzo, 1320. Le polyptyque de la Résurrection, peint par un élève de Lorenzetti pour la Badia San Giovanni à Borgo. D'autres polyptyques florentins étaient fort réputés, aussi bien pour leurs images que pour la richesse de leurs encadrements. Le couronnement de la Vierge de Lorenzo Monaco, 1413. Ou l'Adoration des Mages de Gentile da Fabriano, 1423. C'est peut-être un autre retable encore qui a servi de modèle, celui peint en 1403 par Taddeo di Bartolo pour le maître-autel de San Francesco al Prato de Pérouse. C'est un polyptyque à double face. La forme en croix grecque des églises franciscaines justifiait cet arrangement. La face antérieure du retable, vers la nef, était destinée aux fidèles et montrait la Vierge et les saints. La face postérieure, vers le chœur, était destinée aux moines et montrait Saint François et d'autres saints. En moins de 2 siècles, Saint François d'Assise est devenu le saint le plus populaire de la chrétienté. En cette époque où peu de gens savent lire, l'ordre religieux qu'il a fondé s'entoure de peintres qui diffusent partout sa légende en images. L'élaboration des polyptyques était très longue. Préparation des panneaux de peupliers, mise en place de fragments de tissu sur les défauts du bois, couches d'enduit successives à base de gypse, polissage très fin, décoration des encadrements, gravure au stylet, mise en place du bol d'Arménie, pose de feuilles d'or ou d'argent, brunissage de l'or, tracé des auréoles et décoration au poinçon, dessin au fusain, broyage des pigments à l'eau, mélange au blanc de plomb pour certains pigments, puis au jaune d'œuf qui servait de liant. Peinture par petites touches parallèles et par couches successives. Toutes ces opérations mobilisaient souvent autour du peintre plusieurs assistants et devaient se poursuivre sur de nombreuses saisons. Il fallut 7 ans à Sassetta pour achever son polyptyque qu'il ne va mettre en place qu'en juin 1444. Un retable à double face pesait lourd. La prédelle qui servait de soubassement devait donc être large et solide. Elle montrait de 3 à 5 scènes. Un panneau central élevé était encadré de panneaux latéraux. Comme dans de nombreux retables, la jointure entre les panneaux était cachée par des colonnettes.
Un ensemble aussi important devait être soutenu par des contreforts latéraux, comme le montre le retable de la chapelle Rinuccini à Santa Croce de Florence. Il existait sans doute un second registre, une série de panneaux montrant des saints ou des prophètes, peut-être surmontés eux-mêmes de pinacles. Enfin, moulures, flèches, sculptures, peut-être plus complexes et dorées, couronnaient le tout. Et les passages de chaque côté de l'autel étaient fermés par des rideaux. Aucune description du retable en place n'a été retrouvée. Les archives nous apprennent seulement qu'il fut démantelé à partir de 1578 afin d'installer un tabernacle sur l'autel. En effet, l'évêque visite le couvent de San Francesco en juillet 1583 et dans sa visite pastorale mentionne deux figures, Saint Jean l'Évangéliste et Saint Antoine de Padoue, présentes dans la chapelle de la Nativité de la Vierge et une figure de la Vierge sur l'autel de l'Assomption. Un prêtre, Giovanni Antonio Castiglione, décrit en 1622 trois scènes de la prédelle antérieure, des épisodes mettant en scène Ranieri Rassini. En 1810, les fragments du polyptyque sont vendus. Au cours du 19e siècle, ils passent de main en main. Bernard Berenson, américain d'origine lituanienne, a fait de brillantes études à Harvard. Il se passionne pour l'attribution des tableaux. Il devient un grand collectionneur. Dans sa villa Itati, près de Florence, il rassemble des manuscrits arabes, des bronzes chinois ou des tableaux de primitifs italiens. En 1900, Berenson achète chez un brocanteur de Florence trois panneaux attribués à un peintre de l'école de Fra Angelico. Il les identifie aussitôt comme des sassetta provenant du polyptyque de San Sepolcro. Le premier panneau représente Saint François en gloire, reconnaissable à sa robe de bure et à ses stigmates. Le second, un moine franciscain, tenant à la main une patte nôtre, une sorte de compte-prière, et sans doute Ranieri Rassini lui-même. Le troisième, Saint Jean-Baptiste, est très proche du Saint Jean-Baptiste de la Madone des Neiges. Berenson relie ses panneaux à d'autres panneaux illustrant des épisodes de la vie de Saint François, et est présent alors en France. Dans la collection d'Emmanuel Chalandon, Saint François donne son manteau au pauvre chevalier. Saint François abandonne ses vêtements. La reconnaissance de l'ordre franciscain par le pape. Saint François reçoit les stigmates. Saint François prouve sa foi devant le sultan d'Égypte. Les funérailles de Saint François. Dans la collection du comte de Martel, Saint François apprivoise le loup de Gubbio. Dans la collection léguée à l'Institut de France par le duc d'Aumale et déposée à Chantilly, le mariage mystique de Saint François avec la pauvreté. En 1925, un collectionneur et marchand britannique achète les six panneaux de la collection Chalandon et l'année suivante, le panneau de la collection Martel. Il les revend en 1927 à un collectionneur américain qui, en 1934, les cède à la National Gallery de Londres. En 1951, trois autres panneaux sont localisés dans une collection française de la région de Bordeaux. Ils entrent au Louvre en 1956. Il s'agit de Saint Jean l'Évangéliste, livre et plume en main. De Saint Antoine de Padoue, de sa main droite s'échappent des flammes, symbole de son amour pour Dieu. Et de la Vierge, assise sur son trône, portant l'enfant Jésus et entourée d'anges. Ce sont bien les trois panneaux que citait l'évêque lors de sa visite pastorale de 1583. Il était donc possible d'émettre une première hypothèse sur la façon dont le polyptyque était assemblé à l'origine. Autour du panneau de la Vierge, les quatre grands saints, et au revers, le panneau de Saint François en gloire, encadré par huit scènes de sa vie. De nombreux indices permettent en effet de relier ces 14 panneaux. D'abord les aspects les plus évidents. Les moulures en vrille de vigne se retrouvent sur les cadres à 3 ou à 5 lobes. Ensuite, la coïncidence de forme et de dimension entre les deux grands panneaux centraux. Les panneaux montrant les saints ont la même largeur que les panneaux décrivant la vie de Saint François. Sur chaque face, les traces des chapiteaux des colonnettes qui soudaient les panneaux coïncident 2 à 2.
En additionnant les largeurs du panneau central et celles des quatre panneaux adjacents, on obtient une dimension qui, à 2 cm près, est celle du maître-autel de San Francesco. Le mode de traitement des visages, des yeux, des oreilles, celui des mains et des pieds, le rendu des étoffes se retrouve d'un panneau à l'autre. Détail parmi bien d'autres, la couleur framboise des corniches dans les architectures. En 1960, on propose d'assimiler 3 petits panneaux du musée de Detroit à des éléments de la prédelle postérieure. Il s'agit de 3 moments de la Passion du Christ. La veillée au Mont des Oliviers, l'arrestation de Jésus et un épisode du chemin de croix. Le style des visages et des mains, le rendu du mouvement sont proches de ceux des autres panneaux. On retrouve la corniche framboise. Un petit panneau du musée de Berlin correspond à la description d'une des scènes de la prédelle faite par Castiglione en 1622. Les habitants de Borgo viennent à Rome demander à un cardinal du baume pour embaumer la dépouille de Ranieri Rasini. Celui-ci vient justement d'apparaître en rêve au cardinal malade. C'est aussi le cas pour un second panneau qui entre au Louvre en 1965. Ranieri délivre des pauvres gens enfermés dans une prison de Florence. C'est encore ce même texte de Castiglione qui permet d'identifier dans une collection privée un troisième panneau finalement acquis en 1988 par le Louvre. Ranieri montre aux moines assemblés l'âme d'un avare du village de Citerne emporté par les démons. Ce fragment offre un indice de plus. Le revers d'un tableau porte souvent de nombreuses marques. Sur ce panneau, traces de scie ou de ciseaux à bois, traces de clous ou de cisailles, attaques de verre, étiquettes successives avec des attributions erronées, puis de plus en plus précises, cachées, inscriptions à même le bois, à la craie ou à l'encre, et parmi celles-ci, le numéro d'inventaire de la collection du cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon. Le panneau du Louvre porte le numéro 767, le panneau de Berlin porte le numéro 751. Présents ensemble dans la collection Fesch comme des tableaux de l'école de Fra Angelico, ils furent rachetés par le fils de Lucien Bonaparte, Charles Lucien, qui le remit en vente chez Christie's à Londres en 1853. D'autres fragments qui possèdent le même type de décoration ont été proposés. Deux saints, Laurent et Étienne, du musée Pouchkine à Moscou. Et un Saint-Christophe exposé à Assise. Il était d'usage de faire figurer les saints patrons des commanditaires. D'après le contrat, Christophe était le prénom d'un des commanditaires du polyptyque, l'autre s'appelait André. Il est donc possible que l'une des autres figures décorant les contreforts ait été un Saint-André. Plusieurs hypothèses encore ont été formulées. Une annonciation du Metropolitan Museum de New York aurait pu être le pinacle de la face antérieure. Elle montre, face à l'ange Gabriel, une Vierge dont le visage est en effet très proche de celui du grand panneau central. Cependant, sa largeur ne correspond pas à celle du panneau central. Il faudrait donc imaginer un étage intermédiaire. Un Saint François au pied de la croix du musée de Cleveland aurait pu être le pinacle de la face postérieure, au-dessus du Saint François en gloire. «
Pour les mêmes raisons, il appelle un étage intercalaire. Un Saint-Augustin d'une collection privée de New York a été proposé comme pièce d'un second registre. Il faut donc en déduire l'existence de figures similaires pour les autres panneaux, comme on le voit dans tant d'autres retables. Cela implique qu'en plus des 26 fragments recensés avec presque certitude à ce jour, de polyptyque aurait pu compter encore une trentaine de pièces. Tous les fragments retrouvés et conservés dans les musées forment un grand puzzle qu'il est possible aujourd'hui de reconstituer. La Vierge était au centre, des saints bibliques près d'elle, des saints franciscains plus récents à l'extérieur. La face consacrée à saint François est plus complexe. Les 7 panneaux de la National Gallery sont actuellement disposés en 2 groupes, un de 4 et un de 3. Les cadres rectangulaires sont en bas, les cadres à angle rabattu en haut. Lors de leurs diverses reventes, avant d'être achetés par le musée en 1934, les panneaux ont été séparés de leurs cadres, découpés au ras de la surface peinte, amincis et parquetés. Ils ont été replacés dans des cadres modernes, en gardant toutefois les écoinçons des panneaux anciens, rectangulaires ou à angle rabattu. Cette mise en place semble avoir été faite au hasard, si bien qu'il n'existe plus d'indice indiscutable de la situation des panneaux dans le polyptyque. Le tableau de Chantilly, lui, est resté intact. Le panneau est indissociable de son encadrement. Celui-ci est rectangulaire. Il devait donc se trouver en bas. Et en effet, au cours de la restauration, en 1969, on constata que le panneau était criblé de petits éclats de cire, preuve de sa présence assez bas sur l'autel, à hauteur des chandeliers. L'hypothèse de rangement la plus banale est évidemment l'ordre chronologique. La première image devait donc être la première scène de la vie de François, la rencontre avec le pauvre chevalier, et la dernière image, celle de la mort du saint. Sur les photographies publiées par Berenson dans son article de 1903, alors que les cadres, croit-on, n'ont pas encore été démontés, le cadre de l'épisode du chevalier est, en effet, à angle rabattu, alors que celui de la mort est rectangulaire. Un auteur a suggéré une alternance de ciel bleu et de fond d'or. L'ordre est à peu près compatible avec la chronologie et tient compte de toutes les données historiques et photographiques. Giotto, dans les fresques d'Assise, tentait de représenter la profondeur par toutes sortes de décrochements de plans souvent contradictoires. Plus tard, à Florence, Masaccio, peignant sa fresque de la Trinité pour Santa Maria Novella, applique, sous l'influence de l'architecte Brunelleschi, des principes géométriques nouveaux à la représentation de l'espace. Pour un regard situé à mi-hauteur de la fresque, les lignes de fuite des caissons de la niche donnent une impression de profondeur. Sassetta, qui a pu voir la fresque de Masaccio, reprend les mêmes principes. Il marque les lignes des marbres de la corniche, sur laquelle se tiennent les saints, et fait converger les lignes de fuite du trône de la Vierge, creusant ainsi en profondeur l'espace du paradis. La perspective dans les scènes narratives est parfois obtenue à l'aide d'architectures très charpentées, en jouant sur des colonnades, des estrades, des plans successifs de bâtiments. Le peintre fait dialoguer le proche et le lointain. Le cheval attentif et ses semblables minuscules au bout de la route. Des gouttes de sueur et de sang du Christ en prière et la silhouette de Judas au loin. Nouveauté formelle, la figuration du volume. Les yeux sont sphériques et tournent dans leurs orbites. De même, l'épaisseur et les reliefs des corps sont rendus très sensibles. D'une part, grâce à la modulation de la couleur, 5 tons d'une même laque rouge permettent le modelé de la toge de Saint-Jean-Baptiste. D'autre part, grâce à des jeux d'ombre obtenus à l'aide de Verdaccio, un mélange de pigments bruns et verts.
S'asseta restitue articulation, plis, rides, tendons, veines, quitte souvent à les exagérer. Mains et pieds jouent un rôle fondamental. Ils sont porteurs de stigmates ou éléments de gestes clés. Le mouvement jaillit de partout. Le geste de Pierrot des Bernardones, furieux lorsque son fils abandonne ses habits. Le geste de François qui s'apprête à traverser le feu. La fuite éperdue des apôtres au mont des Oliviers. Chaque fois, le déséquilibre des membres crée une sorte de temps suspendu dans la narration. Dans le Saint-François en gloire, l'espace marin ou lacustre très profond est suggéré par deux procédés. La diminution régulière du motif répété des vagues et la désaturation progressive de la couleur verte. Ce procédé de désaturation est aussi utilisé dans les ciels bleus, où Sassetta restitue avec une grande simplicité de touche le spectre du ciel toscan. Les fonds d'or, jadis polis et réfléchissants comme des miroirs, ont été abrasés par des nettoyages successifs. Ils montrent surtout aujourd'hui le bol d'Arménie rouge. Sur la plupart des grands panneaux, les systèmes de couleurs sont quelque peu dégradés. Ils devaient être très recherchés, si l'on en juge par le savant équilibre du Saint-Jean. À chaque ton de la toge rose correspond un ton du manteau vert. Les carnations des anges, de la Vierge et de l'enfant Jésus, les roses du paradis qu'on voit derrière le trône, la doublure du manteau forment des taches très claires. Les couleurs sont donc disposées pour que les effets les plus brillants soient produits au centre. De même, sur la face postérieure, les effets colorés les plus intenses sont au centre. Le peintre figure les lumières de la mandorle, nimbe ovale autour du corps du saint, et de l'auréole, nimbe circulaire autour de sa tête. La distribution régulière des panneaux et l'alternance des fonds d'or et des ciels bleus produisent de loin un effet de symétrie. Cette symétrie générale de l'ensemble se retrouve dans les scènes, souvent divisées en deux épisodes successifs. Sassetta aime aussi opposer intérieur et extérieur. Le polyptyque de Sassetta forme un réseau complexe d'images. Plusieurs récits se répondent en contrepoint. Première histoire, celle de la vie et de la passion du Christ, telles qu'elles sont annoncées par Saint Jean-Baptiste et rapportées par les évangélistes. Le Christ enfant dans les bras de sa mère, le Christ adulte dans les différents stades de sa passion, le Christ sous forme allégorique. Selon une légende antique, le pélican s'ouvre le ventre pour nourrir ses petits. Niché au-dessus de la croix, il est une sorte d'écho du Christ. Seconde histoire, celle de Saint François. La vie, les miracles, les souffrances et la mort du saint répètent en le transposant le cycle du sacrifice du Christ. Sa position, les bras en croix, évoque celle du Messie. Saint François, autre Christ, est un thème qui apparaît parfois dans le légendaire chrétien à partir de la fin du XIVe siècle. Aux trois vœux de l'ordre franciscain, la chasteté avec sa tige de lys, l'obéissance qui porte le joug et la pauvreté, s'opposent, piétinés par François, la luxure appuyée sur un cochon noir, l'orgueil, guerrier en armes avec un lion, l'avarice, vieille femme serrant ses sacs d'or et flanquée d'un chien. François porte les stigmates. Le 17 septembre 1224, près des grottes du mont Alverne, un séraphin paré de 6 paires d'ailes et ressemblant au Christ crucifié lui apparaît et lui transmet les 5 blessures provoquées par le clouage sur la croix et par le coup de lance du centurion romain.
Saint François fut le premier stigmatisé. Il eut des blessures réelles, saignantes et suppurantes, que les moines pansèrent chaque jour jusqu'à sa mort et qu'il n'aimait pas trop montrer. Après lui, d'autres mystiques furent ainsi marqués, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, Catherine Emmerich. Les cas de stigmatisation ont continué jusqu'à notre époque, comme en témoigne la vie du Padre Pio. Troisième histoire enfin, celle de Ranieri, qui reprend à une échelle plus modeste la vie pauvre et les miracles de saint François d'Assise. Lui aussi fait des prédictions, lui aussi fait des miracles, et on raconte sa vie édifiante dans l'espoir d'en faire un saint dont la gloire rejaillirait sur la petite ville de Borgo San Sepolcro. La mise en scène entremêle toutes ces histoires. Tendu, le front crispé, la bouche ouverte, saint Jean-Baptiste parle à Ranieri et lui montre la scène centrale. Ranieri regarde donc vers la Vierge et l'enfant. De la même façon, le regard des anges, comme celui de l'évangéliste, converge vers la Vierge et l'enfant. Mais la Vierge et l'enfant regardent l'évangile que tient saint Jean. Saint Antoine de Padoue, lui, regarde vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les fidèles, comme s'il les conviait à participer à la scène qui se joue là. L'autre face, réservée aux moines franciscains, offrait à leur méditation les étapes de l'ascèse de leur saint fondateur. L'ensemble du retable répondait ainsi à un dispositif rigoureux, dont le peintre au départ n'était pas le maître. Les commanditaires provinciaux de San Sepolcro restaient attachés à une forme archaïque, leur retable gothique à compartiments séparés. Sassetta respecte le programme religieux, mais il introduit un peu de modernisme florentin dans une œuvre multiple qui frappera vivement tous les visiteurs. L'un d'eux, Piero della Francesca, s'inspire de la silhouette de saint François pour sa Vierge de la Miséricorde. Le polyptyque de Sassetta marque sans doute l'apogée d'une forme. D'abord simple panneau, le retable s'était compliqué à l'époque gothique. Il finit par compter un grand nombre de panneaux. Dans les écoles du Nord, il présente souvent des volets mobiles. Il atteint parfois des formats très importants. À l'inverse, des variantes miniatures sont destinées aux demeures des particuliers ou aux oratoires. À la fin du XVe siècle, le retable se simplifie. Il connaît quelques regains, ça et là, puis il décline. Pourtant, le polyptyque, comme forme artistique, a continué à hanter les peintres. Quant à la narration en images successives, elle est devenue au XXe siècle des plus familières, dans ses formes nobles, comme dans ses manifestations plus populaires. D'ailleurs, le merveilleux du Moyen-Âge survit souvent dans des histoires mettant en scène des personnages et des accessoires très semblables. En 1954, pour le 650e anniversaire de sa mort, l'Église décida d'extraire Ranieri de son sarcophage. Le bienheureux apparut, intact, dans sa bure de franciscain. Les fidèles, oubliant l'épisode de l'embaumement, crièrent au miracle. La dépouille fut exposée quelque temps devant le maître-autel. Il y eut, dit-on, de nouveaux miracles. Un seul était à tout jamais hors de portée même du plus saint des hommes.